Une fois de haut jusqu'ici, on obtient 20 cm. Si vous voyez, 20 cm. On va rabattre des mailles. Donc vous voyez, j'ai mis des marqueurs. En fait, c'est les mailles centrales pour l'encolure. Hop. Si j'étais en train de regarder, je ne savais plus si j'avais marqué. Donc 20 cm total. Donc là, du démarrage jusqu'en haut, on a 20 cm. Et là, on va faire l'encolure. Pour cela, on va rabattre 22 mailles centrales. OK? Si je dis pas de bêtises, je dois avoir 48 mailles. On rabat 22 mailles et il doit nous rester 48. Je ne l'ai pas noté. Donc, hop, on va les compter ensemble. Et après, vous imaginez bien que quand on va rabattre ici, on va tricoter les morceaux séparément pour faire l'avant de la brassière. Hop, on est parti. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six. Douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-une, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente, trente-et-une, trente-deux, trente-trois, trente-quatre, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 mailles. Donc on était bien 48 mailles. Et à partir de maintenant, donc là, je tricote la suivante et je rabats. Donc ça fait une. Je tricote et je rabats. Ça en fait deux. Je tricote, je rabats. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et la dernière et 22.
Et là, il doit me rester 47 mailles et 48 avec celle qui reste là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48. Donc, j'ai bien 48 mailles. Voilà où nous en sommes. Ce que ça donne pour le petit dos de la brassière. Maintenant, alors soit vous mettez en attente sur, comment dire, des aiguilles ou une épingle ou mettre un fil, c'est comme vous voulez. Comme moi j'ai la circulaire, je vais laisser, je ne toucherai pas. Et là, on va continuer. Donc là, on va faire le rang tout à l'endroit. Donc les 48 mailles jusqu'à l'extrémité. Et une fois que vous avez fait les 48 mailles, on se retrouve. Donc, hop, je suis arrivée à l'encolure ici. Pour faire l'augmentation, hop, donc, on tricote un côté. On va faire les augmentations, c'est-à-dire pour former le petit V ici. D'accord ? Donc, les augmentations, on les fera de ce côté-là. Pas de ce côté-ci, mais tout le temps ici. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, comme on est là, les augmentations seront toujours là. Pour ça, on fera toujours de la même façon, c'est-à-dire 3 mailles et on va faire une augmentation et on continue notre rang. On tourne notre travail et on fait tout à l'endroit vu qu'on est toujours au point de mousse. Le rang suivant, donc on se retrouve ici côté encolure, on recommence 3 mailles, une augmentation et on termine le rang. On tourne tout à l'endroit. Au total, il y aura 15 augmentations. Ok ? Voilà ce que ça va former. J'ai fait un petit croquis. Donc, les augmentations, ça va former le V ici. Bah, le V d'un côté, et quand on reprendra l'autre côté, il faudra faire la même chose. Donc là, on est toujours au point mousse. Quand on va... Alors, j'ai marqué ici en rouge... Attention, parce qu'il ne faudra pas oublier les manches en même temps. Donc, soit vous mesurez la totalité des manches, donc 14 cm, soit vous mesurez la totalité, donc c'est-à-dire d'ici à l'autre extrémité, 27 cm total. Au choix, soit vous mesurez, hop, je suis où ? Je suis ici. La largeur de la manche, 14 cm, ou soit du démarrage du tricot jusqu'à où vous êtes pour obtenir 27 cm. À vous de choisir où vous prenez les mesures. Mais attention à ne pas oublier les manches. Ok ? Je reviendrai quand moi je serai arrivé aux mesures.
Et pour le moment, on va faire ici. Et il y aura donc, normalement, si je ne me trompe pas, j'ai compté 15 augmentations. Je reviendrai vers vous pour vous dire exactement le nombre d'augmentations que j'ai fait. Donc, n'oubliez pas de noter. Pour l'augmentation, donc j'ai dit, on tricote. Donc, moi, ma première, je ne la tricote pas. Donc, une maille. Je tricote la deuxième et la troisième. OK ? Et à partir de là, je tricote une fois. Je reviens dedans. Mon aiguille est là et je la tricote une deuxième fois. J'ai mon augmentation. Et je continue mon rang tout à l'endroit. Donc ça me fait une première augmentation. Et je termine mon rang Je tourne mon travail et je fais tout le rang normal. Donc ma première, je ne la tricote pas et je tricote tout le rang. J'essaye de regarder l'écran en même temps, de savoir si je suis bien dans le cadran et pas à côté. Je tourne mon travail et on va faire une deuxième augmentation. Si je m'installais mieux. Hop. Donc ma maille, je ne la tricote pas. 2, 3 mailles. Et là, je tricote deux fois la même, donc une fois. Je ne fais pas tomber cette maille-là, je la reprends et je la tricote par derrière. OK ? Et là, j'ai ma deuxième augmentation. De là, hop, on tricote tout le rang. Et on va faire 15 augmentations au total. Si je ne me suis pas trompée dans mes calculs.
tourne mon travail. Hein. Hop, et le rang, je le fais tout à l'endroit. Donc je passe ma maille lisière. Et on tricote tout le rang. Évitez de faire des bêtises au passage. On tourne notre travail et donc là, vous voyez, on est sur l'endroit du travail. Et ben, on refait la troisième augmentation. Hop, ma première maille, maille lisière, deuxième maille, troisième maille, et ici on tricote deux fois. Donc une fois, je repasse. Je suis derrière ici, j'attrape mon fil, je la repasse dedans. J'ai tricoté deux fois la même maille. Donc c'est la troisième augmentation. Ok, une fois qu'on a fait notre rang, on tourne notre travail et là on fait le rang tout à l'endroit. Je vous laisse continuer hein, et on se retrouve une fois que vous avez fait vos 15 augmentations. A tout de suite. Une fois qu'on a obtenu donc nos 14 cm pour la manche. Alors moi, j'ai mes 15 augmentations. Vous voyez, ça part en biais. J'ai fait mes 15 augmentations. Donc, hop, on était ici. J'ai fait mes 15 augmentations. Et j'ai mes 14 cm pour ma manche. Ok, là, là j'ai 14 et 15 augmentations. Du coup, ça veut dire que on va tricoter et que on va rabattre les 30 mailles et on a fini la manche. Hop. Et comme on a fini la manche, vous vous rappelez ici, hein, avant d'attaquer la manche, on était en jersey. Donc on repasse en jersey. Je fais la petite bordure ici au point mousse. Donc je vais mettre un marqueur pour pas oublier de faire ces points au point mousse.
Hop. Première maille, je la fais glisser. Bon alors. 2, 3, 4 et 5. Je mets un marqueur. Ces 5 mailles seront toujours au point mousse et le reste tout à l'endroit. Donc je tricote tout le rang à l'endroit. Alors n'oubliez pas de bien noter tout ce que vous faites, hein, c'est important parce que ce qu'on fait sur cette partie-là, faudra la refaire, hein, sur cette partie-là aussi, hein, pour avoir quelque chose de symétrie, exactement la même chose. Hop, je suis plus dans l'écran. Aussitôt que je change de position. Je sors de l'écran. J'espère que en filmant comme ça sera pas trop flou. Ça passera. Là, pour avoir du gros plan, vous aurez du gros plan. Hop. Je tourne mon travail. Donc, à partir de là, c'est maintenant qu'on va rabattre nos 30 mailles. Donc, moi, c'est une maille lisière. Je tricote. La première, je prends, je rabats. Ça me fait une maille. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vingt-trois, 24, 25, 26, 27, 28.
9 et 30. J'ai rabattu mes 30 mailles. À partir de maintenant, je tricote tout le rang. Donc ça ira beaucoup plus vite parce qu'il y aura beaucoup de, enfin, moins de mailles au final. Alors, j'ai fait des bêtises. Hop, on marche arrière toute. Ce que j'ai dit quoi? On passait en jersey. Donc, première maille. Et là, on tricote à l'envers pour passer au jersey. On tricote à l'envers jusqu'au marqueur. Voilà, je passe le marqueur et là je fais à l'endroit 1, 2, 3, 4 et 5 pour faire ma petite bordure qui est là. Voilà ce que ça donne. Et on voit le jersey apparaître. Donc là, on va tricoter en jersey autant de rangs que vous avez fait ici, en blanc. D'accord? Et une fois que vous avez fait cette bordure-là, ici, c'est pour ça que je vous disais de bien noter le nombre de rangs que vous avez fait ici, là. Donc le motif ne change pas, ça sera le même nombre de rangs, c'est 16. Et ici, pour reporter tout ça ici. On se retrouve une fois que vous avez fini le jersey pour attaquer le motif. Donc, on a fait le jersey. Pour ma part, j'avais fait 12 rangs. Hop, ici. Comme j'avais fait 12 rangs là, j'ai refait 12 rangs ici. D'accord? Après, si vous avez fait plus ou moins, faut faire exactement le même rang, le même nombre de rangs que vous avez fait ici, vous le refaites ici. Sans oublier la bordure. Ok? Alors moi, je n'ai pas fait de boutonnière. Parce que moi, ça sera des bouton à clip c'est pas des boutons clip des pressions, j'en oublie mon vocabulaire. Du coup, j'ai pas fait les boutonnières. Si vous voulez faire des boutonnières, vous les faites soit de ce côté là ou l'autre côté, c'est vous qui voyez comme ça vous arrange. Hop, moi je montre ce que je fais. Après, si vous voulez changer les choses, n'hésitez pas à le faire. Du coup, une fois qu'on a fini donc le jersey ici, on va passer au motif comme on a fait ici. Pour cela, premier rang, tout à l'endroit. Deuxième rang, tout à l'envers. On fait ces deux premiers rangs et on se retrouve pour faire le rang avec les jetés. Hop. Donc, changement de couleur. 2 à l'endroit, 3, 4 et 5. Qui seront toujours au point mousse, quoi qu'il arrive. À partir d'ici, le jersey, donc premier rang
à l'endroit. Ah. Si je regarde en même temps mon téléphone. J'essaye de zioter en même temps de savoir si je suis bien dans le cadran. Hop. Et la dernière maille. Une fois qu'on a fait le rang numéro 1, le rang numéro 2 à l'envers. Hop. Donc rang numéro 2, moi ma première maille, je ne la tricote pas et je tricote tout à l'envers jusqu'au marqueur. Une fois qu'on a fait, on passe donc tout à l'envers jusqu'au marqueur, on passe le marqueur. Et là, n'oubliez pas qu'on repasse au point mousse, donc des mailles à l'endroit. Oh, bien sûr, il faut que je fasse des bêtises. Hop. Hop. Normalement, j'ai récupéré toutes les mailles. Donc on a 5 mailles, donc j'en ai déjà une, 2, 3, 4 et la cinquième. Ok. Hop, je vais faire un petit nœud ici en attendant. Hop. Éviter qu'elle se détende de trop. Maintenant, on va faire le rang. Je suis en train de me bagarrer avec mon fil là. Hop. On va faire. Hop. Le rang. Je vais peut-être vous le montrer quand même. Hop. Ici, le rang numéro 3. Donc j'ai marqué 5 mousses, la bordure, et on va faire une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles ensemble. Alors j'ai pas précisé ici les 5 mailles au point mousse, faites attention, j'ai pas mes crayons avec moi. Hop. Donc ici, mes 5 mailles au point mousse, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe le marqueur. Ici, on a dit une maille à l'endroit, ok, un jeté, deux mailles ensemble. Je ne sais pas si je suis dans le... On recommence, une maille. Un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles ensemble. Une maille, un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille, un jeté. Deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille, un jeté,
de mailles ensemble. Une maille, un jeté, deux mailles ensemble. Une maille, un jeté, deux mailles ensemble. Une maille, un jeté, deux mailles ensemble. Et on termine par une maille. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail et le quatrième rang, le dernier rang du motif. Hein. Donc, toutes les mailles à l'envers jusqu'au marqueur. Je m'habitue à... Alors, restez dans le cadran, j'ai un peu perdu la main. J'ai pas le même matériel que d'habitude. Hop. Voilà, je passe mon marqueur. Et là, les 5 dernières mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on a fait le premier motif. Je vous laisse continuer le motif. Donc n'oubliez pas ici la bordure. Toujours ces 5 mailles à l'endroit. On tourne, ça sera toujours à l'endroit, ces 5 mailles. Et après le marqueur, on fait le motif. Ok, je vais rectifier mon écrit. Vous me refaites ça. Donc, on fait comme ici, 4 motifs. 1, 2, 3 et 4. Et une fois que vous avez fait votre 4 motifs, on se retrouve. Donc voilà la brassière. On a fini, j'ai fini les motifs. Donc 1, 2, 3, 4. Donc les 4 motifs. Voilà ce que ça représente le côté. Une fois que j'ai fait mes 4 motifs, je repasse en blanc. Hop. Soup, soup, soup. Je repasse ici en blanc, donc j'ai commencé donc ma bordure du jersey comme on a fait ici. Donc ici on a le jersey et on va faire le même nombre de rangs. Si j'y arrive, hop, la pelote de laine est passée dedans, voilà, soupe, hop, alors, ma laine, elle est planquée par là, hop, hop, là. Donc, on recommence, donc là, moi, j'ai déjà fait 2 rangs. C'est mon troisième rang, donc toujours les 5 premières mailles au point mousse. Je passe mon marqueur et je tricote le rang tout à l'endroit sur l'endroit du travail.
dernière, je tourne mon travail et là, je fais des mailles à l'envers, sur l'envers du travail. Attention à ne pas oublier, hop, je suis plus dans le cadran, ne pas oublier la bordure. C'est pour ça que moi, j'ai mis un marqueur pour bien me rappeler qu'il y a un changement de point. Je passe mon marqueur et là, les 5 au point mousse tout à l'endroit pour la bordure. Donc du coup, moi, ça me fait 4 rangs. Hop. Voilà. Et on continue. Si vous vous rappelez, moi, au démarrage, j'avais fait 10 rangs de jersey. Là, j'ai mis entre parenthèses, ne pas oublier la bordure. Ici, j'ai rectifié, j'ai rajouté à ne pas oublier la bordure, tout à l'endroit pour le motif. Le deuxième rang à l'envers, ne pas oublier les points mousse, la bordure. Le rang numéro 3, le mousse, le jeté, et on termine par une maille. Et à l'envers, et on n'oublie pas la bordure. Je ne l'avais pas noté correctement. J'ai rectifié pour faire le motif, ok. Donc là, on fait les 10 rangs. Alors, je sais pas si c'est mon téléphone qui floute ou c'est mes yeux parce que le téléphone est très près. 10 rangs, jersey, et on n'oublie pas la bordure comme je viens de faire, ok. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve pour la suite. Une fois qu'on a fait nos 10 rangs en jersey, donc moi j'ai fait mes 10 rangs en jersey avec la bordure, hop, les 10 rangs qui sont ici, d'accord, et là on passe aux 8 rangs mousse, les 2 cm, hop, qu'on a fait ici au point mousse. Donc, on va tricoter, donc toujours en blanc, on tricote tout à l'endroit. Donc là, c'était la bordure, on peut l'enlever parce qu'on va faire du point mousse partout. Donc, mais vous allez tricoter le point mousse pendant 2 cm. Comme au démarrage. Hop, je vois rien du tout. Alors, j'essaye de tricoter à travers mon écran. Oui. C'est pas du tout ça. Hop. Donc, vous savez tous faire le point mousse. Hop. Je vois déjà un petit peu mieux. Donc, premier rang tout à l'endroit, deuxième rang tout à l'envers. Moi, j'avais fait 8 rangs pour 2 cm. Donc, à vous de faire exactement la même chose qu'ici au démarrage. Et on se retrouve.
Une fois que vous avez obtenu vos 2 cm de point mousse, alors je viens d'écouter ce que j'ai enregistré un petit peu avant. Je vous ai dit un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Non, c'est du jersey. Et nous, on a dit point mousse. Donc, je dis des bêtises. Donc, le point mousse, un rang à l'endroit, on tourne notre travail. Un rang à l'endroit, on tourne à l'endroit, on tourne à l'endroit. Pour faire du point mousse. Si je commence à dire des bêtises. Une fois que vous avez vos 2 cm de hauteur, eh ben, on rabat les mailles. Donc je tricote, je prends la maille et je la passe par-dessus. Toujours à l'endroit, tout simplement. Alors, j'espère que j'ai pas trop dit de bêtises hein, tout le long de la vidéo. J'étais en décalé. Donc, je suis repassée de journée. Je suis repassé, là je vais repasser de nuit, donc je suis un peu perdu. Hop. Mais ça va le faire. Donc on rabat toutes les mailles jusqu'à l'extrémité ici. Vous laissez un peu de fil parce qu'il y aura la couture à faire. D'accord ? On se retrouve pour prendre, récupérer ce côté-ci, dont je vais vous expliquer le démarrage de l'autre côté. Et j'espère que vous avez noté exactement ce que vous avez fait ici, parce qu'il va falloir refaire la même chose, sauf à l'envers. Je vous dis à tout de suite. Donc, j'ai complètement zappé de filmer. Du coup, on reprend, donc là on est sur l'envers du travail. On reprend ici où on s'était arrêté. Hop, j'ai remis mon fil. Hop, mon petit bouquet là. Et on fait le rang tout à l'endroit. Hop. Donc on est au point mousse vu que c'est la manche. Tout simplement que des mailles à l'endroit et on va faire exactement la même chose qu'on a fait ici. Donc, on fait déjà un premier rang. Tout à l'endroit. Voilà. Donc là, on arrive sur le démarrage de la manche. Ok ? À partir de maintenant, ce qu'il ne faudra pas oublier de faire, ici, on a la bordure et l'augmentation. Donc, on va tricoter tout à l'endroit et on va s'arrêter ici. Donc 2, 3, enfin 4, on va dire, on va s'arrêter à 3 mailles avant la fin. Celle-ci, pour faire l'augmentation, on mettra un marqueur pour pas oublier. Cette dernière ici, on la tricotera deux fois, comme on a fait l'autre côté, pour avoir l'augmentation et on terminera par nos 3 mailles. D'accord ? Alors, hop. Au lieu de faire les augmentations au démarrage du rang, on fait les mêmes augmentations à la fin du rang. Tout simplement. On fait exactement la même chose que tout à l'heure, mais à l'envers.
Donc, je vais faire le premier rang avec vous. Et comme sur l'autre partie, on avait fait 15 augmentations, eh ben, on fait exactement la même chose. La différence, c'est qu'on fait l'augmentation à la fin du rang et pas au début du rang. Donc, il ne faut pas que j'aille trop loin. 3, hop, encore 3, 1, 2 et 3. Donc là, il me reste 4 mailles. Donc, si j'ai dit celle-ci, je la tricote une fois, je repasse dedans, je vais derrière, je la retricote une deuxième fois. J'ai fait mon augmentation. Je mets mon marqueur. Et là, je tricote une, deux, trois mailles. Ok. Je tourne mon travail. Là, on se retrouve sur l'envers du travail. On continue à tricoter le rang tout à l'endroit. Je passe mon marqueur. Et je tricote toutes les mailles à l'endroit. Tout simplement. Hop. Donc là, on a fait une augmentation. Je tourne mon travail. Donc là, on est sur l'endroit du travail. Je tricote jusqu'au marqueur. Et n'oubliez pas, la maille à côté du marqueur, on fait une augmentation. Je ne sais pas si je reste bien dans le cadran. Je me suis installée dans le canapé tranquille hein, parce que il pleut. Je me suis emmitouflée, j'ai plus la flemme de bouger. Du coup, je me suis dit tant pis, on va essayer de faire la vidéo comme ça. Puis, vu le matériel que j'ai, je teste en même temps. Après, il faut que je m'apprivoise à bien rester dans le cadre. J'espère que ça le fera. Là, j'ai rajouté des projecteurs pour avoir plus de lumière pour vous. Il me reste une maille à côté du marqueur. Donc, cette maille-là, je la tricote deux fois. Une fois, je repasse dedans. Et je la tricote une deuxième fois. Je passe le marqueur et je tricote mes trois mailles normales. Et là, on a fait une deuxième augmentation. Ok? Alors. Récapitulatif à l'écrit. L'autre côté. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Je fais un rang en point mousse. D'accord? C'est ce qu'on a fait le premier rang. L'augmentation,
donc plus une maille, total 15 augmentations. C'est ce qu'on a fait, hop, ici. Non, ici. Hop, toup, 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 tricoter un côté. Les augmentations. Tout à l'heure, on avait fait 3 mailles et une augmentation. D'accord ? On refait exactement les 15 augmentations qu'on a fait sur ce côté-là. On refait exactement la même chose de l'autre côté. D'accord ? Sauf que là, on fait tout du point mousse et l'augmentation se fait à la fin du rang, la bordure. D'accord ? Toujours pareil, attention à la manche. Donc vous faites les 15 augmentations, mais tout en surveillant votre manche, qu'elle fasse donc 14 cm. Les 14 cm que je vous parle, c'est la largeur de la manche, de là à là. D'accord ? Ici, ça te fera 14 cm. Si la première fois, vous avez compté 27 cm, c'est d'ici à là-haut. 27 cm à partir de ce bord-là jusqu'en haut. Ça vous fera 27 cm de hauteur. Donc, tout dépend de comment vous avez pris les mesures pour faire la deuxième manche. D'accord ? Une fois qu'on obtient nos 14 cm pour la manche, on se retrouve. Donc, moi, les 14 cm correspondent exactement à mes 15 augmentations. Donc, je ne sais pas comment c'est tombé pour vous. Ça se peut que vous étiez obligé de vous arrêter avant pour faire la manche, rabattre la manche, ou peut-être plus de rang pour obtenir la manche. Donc après, en tout cas, on n'en fait que 15 augmentations. On n'en fait pas plus. D'accord ? Donc tout dépend comment vous tricotez. Donc là, on a fait 2 augmentations. On tourne notre travail. Et on continue à tricoter le rang. Hop. Donc je reprends ici. Je suis sur l'envers de mon travail. L'envers, on ne fait rien, juste tricoter les mailles comme elles se présentent. N'oubliez pas de noter à chaque fois que vous faites une augmentation pour être sûr de ne pas vous tromper. Donc là, je vais faire encore un rang avec vous pour vous remontrer l'augmentation, comment la faire. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Hop, ma dernière. Donc là, je suis sur l'endroit de mon travail. Je tricote jusqu'au marqueur. Donc, toujours que des mailles à l'envers, à l'endroit, décidément. Que des mailles à l'endroit pour faire du point mousse. Il y a plus de mailles, mais au final, c'est assez rapide.
Presque. Hop, encore une. Ma maille qui est là à côté de mon marqueur, je la tricote deux fois. Une fois, je repasse dedans et je la tricote une deuxième fois. J'ai fait une augmentation. Je passe mon marqueur et je tricote les trois dernières mailles. Tout simplement. OK. Donc vous continuez les augmentations. Donc là, on en a fait 3 ensemble. Et en tout, il en faut 15. Et on se retrouve. Donc pour moi, j'ai fait mes 15 augmentations. Hop. Je suis bien à 14 cm de largeur de manche. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, donc... Je suis sur l'endroit de mon travail. La pointe de mon aiguille est ici. Je rabats la manche. Hop, comme on a fait de l'autre côté. Alors, hop. J'ai marqué ça où? Hop, rabattre les mailles de la manche. Je n'avais pas marqué. Ah si, ici. On rabat 30 mailles. Juste pour rappeler. 30 mailles. Une fois que vous avez rabattu vos 30 mailles, vous terminez le rang. Et on passe, comme on a fait ici, au jersey. Le point motif du jersey et le point mousse. D'accord? Je ne vais pas tout remontrer. Je fais juste cette partie-là pour être sûr que vous suivez toujours. Donc, première maille, deuxième maille. Je passe la première sur la deuxième. Ça me fait une maille. Deux mailles. 3 mailles, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29 et 30. Voilà, je termine mon rang tout à l'endroit. Donc là, on est sur l'endroit du travail.
J'enlève mon marqueur. Hop. Je tourne mon travail. Et là, je suis sur l'envers de mon travail. On tricote 5 mailles au point mousse. Alors, première, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Ça sera ma bordure. Je mets mon marqueur. Là, comme on est sur l'envers du travail, on tricote à l'envers. Et là, ça fera le deuxième rang de jersey. Alors, soit vous avez compté en centimètres, soit vous avez compté en nombre de rangs. Je ne sais pas. À vous de faire la suite. Sans oublier la bordure, tout simplement. Donc, je ne vais pas refilmer jusqu'en bas cette partie-là. C'est juste pour vous aider au démarrage. Voilà. Je tourne mon travail. Là, je suis sur l'endroit de mon travail, donc des mailles à l'endroit. Là, je tricote jusqu'à mon marqueur, je le passe et là, je fais le point mousse, mes 5 mailles au point mousse. Je tourne mon travail, toujours 5 mailles au point mousse. Je passe mon marqueur. Là, c'est mon quatrième rang de jersey à l'envers. Vu que je suis sur l'envers du travail. Il n'y a vraiment rien de compliqué. À faire. Alors, je vais vous laisser continuer. Hop. Voilà, on a fait du jersey. Donc, hop, il est comment là? Oups, il est là. Donc, hop, ici. On refait, donc là on a fait la manche, ici jersey, jersey. Vous faites le motif, jersey, jersey et point mousse, d'accord? La seule différence c'est que la boutonnière sera là, tout simplement, la boutonnière, la bordure. Décidément, j'ai décidé de dire des bêtises. Donc, j'ai marqué donc, les 5 mailles pour le corps, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, les 5 mailles à la bordure, à ne pas oublier. Le jersey, et on termine tout le temps ici avec du point mousse. Et on commence avec du point mousse et des mailles à l'envers. On fait exactement la même chose
qu'au démarrage ici et ce qu'on a fait ici. On fait exactement les mêmes pour que ça soit pile poil au même endroit comme on l'avait fait en fait, tout simplement. Vous voyez, je retombe mon violet, mon blanc, blanc, blanc. Une fois qu'on a fait les quatre motifs, donc le motif, il y a quatre motifs à faire. On repasse au jersey. Enfin, moi, j'avais 10 ronds, donc à vous, je ne sais pas. Le point mousse, moi, ça correspondait à 8 ronds, qui est égal à 2 cm. Une fois que vous avez fait vos points mousse, vous rabattez tout. Et on se retrouve pour la couture. Et on aura fini la brassière. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite, une fois que vous avez fini cette partie-là. Je suis partie à faire la couture et j'ai zappé de filmer. Donc ici, j'ai mis bord à bord, petite boule par petite boule, parce que vous avez le même nombre de rangs d'un côté comme de l'autre. Après, je passe au jersey. Donc ici, je ne sais pas si on voit bien. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je vais coudre comme ça, toute la longueur. Donc, jusqu'ici. Et la manche avec. Hop. Je vois pas grand chose de ce que je fais. Hop. Faites bien attention que le blanc soit avec le blanc et le violet avec le violet. Hop. Voilà. Oh, je tire au fur et à mesure. Mais pas trop, parce que le but, c'est pas de faire de l'accordéon. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici, c'est pareil au niveau du violet, bah, c'est la même, hein, parce que j'ai fait mes mailles lisières. Hop. Ce qui me permet de faire la couture plus facilement. Oui, bah si je filme pas correctement, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, là c'est peut-être mieux. J'ai mal placé la caméra. Alors, je tire dessus, hop, et voilà, et je continue. Vous voyez, ma... je suis bien blanc, blanc, violet, violet. Et on continue jusqu'ici. Et on coud en même temps la manche jusqu'à l'extrémité. Comme vous voyez, j'aurai pas assez de fil. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est d'insérer un nouveau fil pour pouvoir continuer à coudre ma manche. Une fois que vous avez fini votre couture, hop,
voilà ce que ça donne, tout simplement. Hop, les petits fils, plus qu'à les ramasser. Hop, moi je fais toujours un petit pli au niveau des manches. Après, suivant la taille de bébé, des petits bras, des grands bras, des longs bras. Donc voilà. Et on se retrouve une fois fini la couture. Alors, j'étais partie. Je vous ai dit la manche. Pour la manche, vous voyez ici, j'ai les petits V. Je prends le brin extérieur et le brin extérieur. Vous voyez le V? Je prends le brin extérieur. Brin extérieur, brin extérieur. Et voilà ce que ça me donne comme couture. Brin extérieur, hop. Je vais comme ça jusqu'à l'extrémité. Et on se retrouve. J'espère que le tuto vous aura plu. Voilà, une fois fini de coudre ce que ça donne. Je suis pas encore très au point avec mon nouveau matériel pour filmer. Donc j'espère que ça aura été quand même. Alors que je m'y habitue. Alors comme je bouge automatiquement, ben la caméra elle bouge aussi, elle est sur moi. Donc c'est pas forcément évident. Mais si je veux filmer dans le camion, ben ça prend moins de place et ça sera beaucoup plus facile pour moi aussi. Donc j'espère que ça le fera quand même. Que dire d'autre? Bah, je pense que tout est dit. Les prochains tutos, bah, il y en aura pas autant qu'il y en a eu. Vu que je pars toujours 3 jours, je pars 4 jours. Donc, je roule beaucoup de nuit et dors la journée, donc j'ai pas trop le temps de tricoter. Donc il y a des périodes creuses, là on y arrive. Donc j'espère que j'aurai un peu plus de temps pour moi, pour décompresser aussi, parce que le tricot me permet de me vider aussi un peu la tête, de changer un peu les idées. Donc voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite bon tricot, bonne journée, à bientôt.